Alors j'ai débuté cette réunion en disant que chaque dimanche est pour nous un jour de fête. On se retrouve ensemble ici pour célébrer, louer, adorer Dieu. On a de la joie, je crois, à le faire. Et puis on partage ensemble un texte biblique, comme on va le faire maintenant, qui est là pour nous aider dans notre vie de tous les jours à faire face à nos défis quotidiens, qui est là aussi pour nous permettre de mieux connaître Dieu, mieux nous approcher de lui, comprendre ce qu'il attend de nous, qui je crois, nous parle et nous fortifie. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont surprises quand on évoque cette joie qu'on a de nous retrouver ensemble le dimanche, parce que pour beaucoup, l'image qu'ils ont des choses de Dieu, l'image qui est véhiculée sur Dieu, c'est soit quelque chose de très austère, soit alors des gens illuminés qui seraient déconnectés de la réalité. Je comprends que on puisse avoir cette vision, puisque moi-même, avant de connaître le Seigneur, c'est ce que je pensais de l'expérience que j'avais pu avoir dans mon enfance. Mais aujourd'hui, c'est pour nous un double jour de fête. C'est un jour de fête parce qu'on a le privilège de se retrouver le dimanche, mais c'est aussi un double jour de fête parce que c'est le week-end de la Pentecôte. Et on peut se réjouir, à la fois que ce soit un long week-end, mais aussi de se réjouir de ce que la Pentecôte représente et de la manière dont la Pentecôte bouleverse encore aujourd'hui notre quotidien. Certains qui ont eu une éducation chrétienne ou qui ont un peu de connaissances diront: la Pentecôte, je sais, c'est l'envoi du Saint-Esprit et le début de l'Église. Bonne réponse. Mais c'est plus que ça. On va le voir ensemble. Et surtout, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quelles sont les conséquences et en quoi, finalement, ça nous concerne encore aujourd'hui? Chaque dimanche, sur le support qu'on projette, je mets le petit logo de l'église avec le slogan Une église dans la ville. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut rappeler que c'est ce qu'on fait ici, mais parce que ce slogan, les valeurs qu'on a mises en place ici dans l'église, c'est notre ADN. Nous sommes une église dans la ville, ancrée dans la vraie vie, les pieds sur terre, et nous croyons sincèrement que la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ change tout, et que nous avons une bénédiction à partager avec celles et ceux qui sont autour de nous, et en espérant que librement ils découvriront cette bénédiction et qu'ils pourront eux-mêmes en profiter et voir leur vie touchée et transformée. Dieu m'étant sa gloire a utilisé des hommes et des femmes pour se révéler à des hommes et à des femmes. Alors la Pentecôte, c'est une fête importante. Avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive. Le mot Pentecôte veut dire que c'est 50 jours. 50 jours après quoi? 50 jours après Pâques. Pâques s'écrit avec un S parce que c'est une fête juive et aussi une fête chrétienne. Avec cette Pâques historique chez les Juifs, la sortie d'Égypte, cette Pâque historique chez les croyants, Jésus qui meurt sur la croix, qui est mis au tombeau et qui ressuscite. Et puis la Pentecôte, c'est une fête d'espérance pour les Juifs. Et pour nous croyants, c'est une fête qui a pris son sens 50 jours après Pâques. La Pâque où Jésus est mort et ressuscité. Pour les Juifs, la Pentecôte marque le début de la moisson. Avec reconnaissance, ils viennent remercier Dieu à l'avance pour ce qu'il va développer. Et pour nous, la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Jésus qui envoie le Saint-Esprit, qui bâtit son Église, qui marque à travers ça une ère nouvelle. Les choses ne sont plus comme avant depuis la Pentecôte. Et dans l'histoire du monde, comme dans notre histoire personnelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a parfois des périodes où tout se concentre. Eh bien, dans le récit biblique, au moment de Pâques, puis au moment de l'Ascension, puis au moment de la Pentecôte, tout va prendre sens et tout d'un coup va prendre une dimension nouvelle. On voit ça aussi dans notre monde, hein. Je ne sais pas si on remarque, hein, mais combien notre monde, beaucoup de choses bougent depuis 3 ans, depuis le Covid. Que ce soit avec ces malheureusement, ces émeutes, mais que ce soit dans la nature, que ce soit dans la violence qu'il y a un peu partout, c'est impressionnant ce qui se passe quand même. Qui aurait pu imaginer ça il y a 3 ans?
Donc, le récit de la Pentecôte historique se trouve dans le livre des Actes, un livre de la Bible qui nous raconte ce qu'ont vécu les premiers disciples de Jésus, donc le récit des Actes des apôtres. On voit comment Dieu a mis en œuvre le plan qu'il avait annoncé plusieurs centaines, milliers d'années auparavant. Il avait promis qu'il voudrait établir avec l'être humain une alliance nouvelle. Une alliance qui ne serait pas simplement des tables que Dieu donne avec des lois, mais une alliance de cœur. Ça montre aussi que le désir de Dieu, c'est pas seulement de se faire connaître à nous, mais c'est de créer avec nous un acte d'engagement, sceller une alliance de cœur par la transformation de notre cœur et de notre vie. On a lu des textes forts ce matin qui doivent, j'espère, nous faire réfléchir. Qu'est-ce qui fait que 11 disciples, 120 disciples qui étaient réunis à la Pentecôte, allez, quelques 300 témoins, ont pu bouleverser le monde et faire du christianisme une religion qui s'est étendue partout dans le monde? Eh bien, c'est justement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte a connu un puissant réveil qui fait que 3000 personnes qui étaient là, juives, qui étaient venues pour fêter cette fête juive, vont être impressionnées de ce que Dieu réalise en entendant des hommes et des femmes parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Ces hommes seront tellement touchés qu'ils vont s'humilier devant Dieu, prenant conscience du péché de leur vie, faisant un examen de conscience et décidant de s'engager par les eaux du baptême. Et la Bible nous dit que le jour même, 3000 personnes vont s'ajouter à l'Église. On pourrait se dire, oh bon, ok, c'était un moment d'émotion qui, voilà. Qu'est-ce que nous dit la Bible juste après? Chaque jour, ces 3000 se réunissaient, partageaient le pain, partageaient l'enseignement, persévéraient dans la prière et donc vivaient cette vie nouvelle que Dieu était en train de leur manifester et de leur donner. Et donc, ce qu'on va lire ensemble, ce qu'on va partager ensemble autour de la Pentecôte, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que dans la Bible, c'est vraiment un livre extraordinaire. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, prépare le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. Incroyable. Et donc, on voit Dieu qui avait promis d'envoyer son Saint-Esprit pour mettre son esprit et ses lois dans le cœur de l'être humain. Et ça s'est réalisé donc le jour de la Pentecôte, ce que Jean-Baptiste avait promis, hein, Jésus-Christ, lui, vous baptisera, vous remplira du Saint-Esprit, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. C'est la récompense de l'attente des disciples après le départ de Jésus. Il avait dit, attendez, j'enverrai le Saint-Esprit, et là vous serez mes témoins et vous pourrez aller partout dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelque part, la Pentecôte, c'est un passage de relais. C'est Jésus qui monte au ciel et qui passe le relais à ses disciples pour que eux continuent l'œuvre que lui avait commencée. Et voilà pourquoi le Seigneur dira qu'il est avantageux qu'il parte pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit et que son œuvre se répande. Il ira même jusqu'à dire que ceux qui croient en lui se pourront faire de choses plus grandes encore. Pourtant, Jésus, quand on lit les évangiles, il en a fait des grandes choses. Ils pourront amener des personnes à changer de vie, non pas par leur puissance, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Personne à changer de vie, à avoir l'assurance de la vie éternelle, et Dieu pourra bâtir son Église. Et puis, on a lu ces textes forts. Jésus qui rencontre cette femme qui est insatisfaite, qui lui dit, mais si tu as soif, viens, je vais te donner à boire. Et il promet que celui qui viendra à lui, non seulement pourra être comblé dans tous ses besoins, mais plus encore, qu'il pourra être une source qui jaillit sur les autres. C'est ce qui est possible avec la Pentecôte. Nous sommes appelés à bénir et à être en bénédiction. Ce qui nous amène au titre de ce matin, comblé et béni en abondance pour bénir d'autres en abondance. J'ajoute, qui seront comblés pour en bénir d'autres qui seront comblés, pour en bénir d'autres qui seront comblés, etc., etc. C'est le principe
de la Pentecôte. Alors, on a l'habitude ici dans ce lieu d'avoir une étude suivie de la Bible et puis de veiller bien sûr à ce que cette église, cette étude, pardon, nous parle pour notre vie de tous les jours. Donc en ce moment, on est en train d'étudier la vie d'un homme de la Bible qui s'appelle Élie. On arrive à la fin de l'étude d'Élie. Et puis quand c'est des temps particuliers du calendrier, Noël, l'Épiphanie, donc là, les rois, les mages, quand c'est Pâques, quand c'est l'Ascension, quand c'est la Pentecôte, ben, d'arrêter notre étude pour, eh bien, nous parler donc de cette fête particulière et donner du sens à cette date du calendrier. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Parce que justement, ce qu'on lit de l'histoire d'Élie et la Pentecôte, ça coïncide. Alors, on va poursuivre la découverte de la fin de la vie d'Élie, le passage de relais d'Élie avec Élisée. Et vous allez voir, il y a des similitudes dans cette histoire avec la Pentecôte où Jésus passe le relais à ses disciples. Et voilà pourquoi ça va nous parler encore ce matin. Alors, on se rappelle que Élie, dans la Bible, c'est un personnage particulier. C'est un homme de prière que Dieu va utiliser d'une manière particulière. Il va demander à Élie de prier pour qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et demi, pour manifester que Dieu n'est pas content de ce qui se passe dans le monde. Puis il va lui demander de prier à nouveau pour que la pluie revienne. Rien quand même, hein? Et donc la Bible résume l'histoire d'Élie en nous disant, la prière du juste agit avec une grande force. Est-ce que nous croyons que la prière est efficace? Ben oui. Mais pas n'importe quelle prière, oui. Mais entre-temps, il y a eu de la famine. Oui, bien sûr, ben là, puisqu'il y avait la disette. Mais pas n'importe quelle prière. La prière du juste, celui qui marche avec Dieu. Et la Bible pourrait nous laisser entendre qu'il y a des hommes qui sont particuliers, mais elle précise, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, le ciel a donné de la pluie, la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Franchement, il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus enthousiasmant, de plus réjouissant que de prier pour quelqu'un loin de Dieu, qui un jour prend conscience de ça, se repent et revient au Seigneur. Et Élie, qui est un homme de prière, symbolise pour nous ce que Dieu veut. Il veut que nous prions pour ceux qui sont loin de lui, qui sont dans leur péché, prisonniers, dans toutes sortes de pensées, pour qu'ils se repentent et viennent à Dieu et voient leur vie transformée. Alors, on arrive au moment où Élie va partir. Élie, c'est un homme particulier dans la Bible, puisqu'il ne va pas mourir n'importe comment. En fait, il ne va même pas mourir. La Bible nous dit qu'il va être enlevé au ciel. Comme Jésus, qui est monté au ciel. C'est une exception, parce que c'est quand même bizarre cette affaire. C'est une exception. Dans la Bible, il n'y a que deux hommes qui sont montés au ciel, Énoch et Élie, bien sûr Jésus. Et la Bible nous donne dans l'Ancien Testament l'histoire de ces histoires qui sont un peu particulières, qui pourraient nous surprendre, comme un teasing de ce que Jésus lui va réaliser. Pour nous dire, si Dieu a été capable de le faire avec ces deux hommes il y a plusieurs 1000 ans avant Jésus-Christ, ben, il peut le faire encore aujourd'hui. Il l'a fait avec, en particulier avec Jésus. C'est pour ça que dans la Bible, parfois, on a des histoires qui peuvent nous surprendre, mais en fait, elles ont quelque chose à nous révéler. Par exemple, l'histoire de Dieu qui dit à Abraham de sacrifier son fils. Choquant cette histoire. Son fils unique qu'il aime, qu'il a eu du mal à avoir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait lui? Il a donné son fils pour nous. Il a été au bout. Il a sacrifié Jésus-Christ. Donc derrière ces histoires, il y a quelque chose qui a besoin, donc Dieu qui nous parle, qui nous révèle que il suit un grand plan qu'il réalise à la perfection. Donc on est dans ce passage de relais de Élie qui monte vers Dieu, on va voir ensemble,
et qui va donc passer le relais à Élisée, qui est appelé à lui succéder. Donc dans cette histoire, vous allez voir, il y a trois types de personnages qui vont avoir un impact. Élie, Élisée, et puis des disciples là qui sont là et qui ont du mal à bien tout comprendre ce qui se passe. Alors, on lit le début de cette histoire qu'on va commenter ensemble au fur et à mesure. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. Élisée répondit: Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui dirent et lui demandèrent: Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit: Oui, je le sais, moi aussi. Ne me parlez plus de cela. Taisez-vous. C'était dur pour lui. Élie lui dit de nouveau: Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. On va lire la suite. Donc, dans cette histoire, Élie, qui va monter au ciel, va entraîner Élisée dans, j'allais dire, un parcours mémorial, initiatique, on pourrait dire, à travers trois lieux importants. Béthel, puis on voit déjà Jéricho qui apparaît, puis on verra un troisième endroit. Trois lieux qui sont symboliques et à travers lesquels il veut faire réfléchir Élisée. C'est quoi Béthel? Béthel, le sens de ce lieu, c'est maison de Dieu. Et donc Élie dit à son collaborateur, Élisée, lui dit: Dieu m'ordonne d'aller à cet endroit, la maison de Dieu. Toi, t'es pas obligé de venir. En fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Il teste. Il teste si cet homme a, oui ou non, soif de quelque chose de la part de Dieu. Alors, Béthel, dans la Bible, c'est un endroit particulier. Dans ce lieu, ou près de ce lieu, Abraham va construire un autel lorsque Dieu va l'interpeller pour lui dire: Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai, promettant de faire d'Abraham une grande nation, de le bénir, de faire de lui un homme important qui sera une source de bénédiction pour les autres, de bénir ceux qui le béniront et de maudire ceux qui le maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc un lieu pas loin duquel Abraham a vécu cette rencontre avec Dieu et un lieu dans lequel un homme qui s'appelle Jacob va aussi vivre la rencontre avec Dieu. Jacob, petit-fils d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Donc Béthel, c'est le lieu où des hommes de Dieu ont rencontré Dieu. Jacob va rencontrer Dieu alors qu'il était en fuite. Pour de bonnes, j'allais dire pour de bonnes excuses, mais il était quand même en fuite. Fuyait la maison parce que préféré de sa maman, il fuyait la colère de son frère Ésaü. Et là, dans cet endroit, Dieu va apparaître à Jacob, à Béthel, et c'est lui, Jacob, qui va donner ce nom de ce lieu, il va l'appeler Béthel, il va lui apparaître en lui révélant son projet pour lui. Je suis l'Éternel, donc on trouve ça dans le livre de la Genèse, hein, au chapitre 28, verset 13, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac, cette terre sur laquelle tu reposes, elle est pour tes descendants. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas, j'accomplirai ce que je t'ai promis. Il va se réveiller, parce que ça va arriver la nuit, il va comprendre que Dieu était présent dans ce lieu, il aura une vision, comme le ciel ouvert, avec une échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, où il voit les anges monter et descendre à cet endroit. Plusieurs fois, il reviendra à cet endroit, Béthel, maison de Dieu. Et plusieurs fois, Dieu va apparaître à Jacob à cet endroit, un endroit particulier. On sait qu'il aura plusieurs rencontres avec Dieu. À un moment donné, il sera brisé, frappé à la hanche. Il luttera avec l'ange de Dieu, Jésus. Et là, il pleurera, il suppliera. C'est ce que nous dit le prophète Osée. Il va rencontrer Dieu à Béthel.
Élie dit à Élisée, viens avec moi, on va aller au lieu où les hommes sont appelés à rencontrer Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser aux uns et aux autres, c'est est-ce que nous avons rencontré Dieu? Est-ce que nous croyons en Dieu, c'est une chose, mais est-ce qu'à un moment donné, nous avons vécu ce temps particulier où individuellement nous rencontrons Dieu? Et nous comprenons que Dieu nous appelle à le suivre, peut-être à lâcher des choses, à le suivre pour être béni et pour être aussi en bénédiction pour d'autres, pour accepter que Dieu devienne le Seigneur, le Dieu de nos vies, c'est-à-dire le Maître de nos vies, et nous conduire dans ce qu'il a prévu pour nous. Bethel, un lieu important qui symbolise ce moment où on rencontre Dieu. Est-ce que chacun de nous pouvons dire oui, j'ai rencontré le Seigneur? La suite de l'histoire nous montrera que Bethel sera un lieu que un roi qui s'appelle Jéroboam transformera en un lieu d'idolâtrie, détournera malheureusement de belles choses en de mauvaises choses. Et parfois, il y a des gens qui détournent de belles expériences en de mauvaises expériences. Et puis donc, Élie va dire à Élisée, ben on continue. On va aller maintenant à Jéricho. Donc on lit la suite. On l'annule, hein. Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Et ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit, eh oui, je le sais, moi aussi. Ne me parlez plus de cela. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Et Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Donc dans ce parcours, ils passent donc par Bethel et puis ils se rendent dans un deuxième endroit, Jéricho, puis un troisième, on verra après, au Jourdain. Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est une ville fortifiée. Première ville que le peuple d'Israël, en sortant du désert, sous la conduite de Josué, successeur de Moïse, va conquérir. On a le récit de l'histoire de Jéricho dans le livre de Josué. On a là une ville fortifiée et on a Dieu qui va dire à son peuple, qui est appelé à entrer dans la terre que Dieu leur a promis, la bénédiction de Dieu. Voilà, on a des amis qui rentrent, allez-y. Donc Jéricho, c'est la première ville, une ville fortifiée. Dieu va leur demander de faire plusieurs fois le tour de cette ville dans la louange et Dieu fera tomber les murailles de cette ville et va donc leur apporter la première grande victoire. Et donc Jéricho, ça symbolise le fait pour le peuple d'entrer dans la promesse de Dieu et dans la victoire de Dieu. Est-ce que nous avons, les uns et les autres, vécu aussi cette expérience de Jéricho. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin que des murailles, que des forteresses, que des choses particulières dans sa vie tombent. Il a besoin de comprendre que Dieu veut pas seulement se révéler à lui, à Bethel, mais que Dieu veut aussi l'amener plus loin et lui donner de traverser cette ville de Jéricho où Dieu lui dit maintenant on rentre dans une autre dimension. Les murailles qui tombent. Quand ces murailles vont tomber, Josué va frapper de cette ville de Jéricho d'un interdit. Il dira que voilà, on n'a pas à rebâtir cette ville et que celui qui rebâtira cette ville le fera au prix de son premier-né. Et on sait que par la suite, hein, cette ville sera rebâtie par Yel, qui perdra deux fils avec la reconstruction de cette ville. Jéricho, qui symbolise l'entrée dans la terre promise, la victoire que Dieu donne, mais aussi une ville qui a été marquée par un péché. Il y a un homme qui s'appelle Achan, qui a gardé de la ville de Jéricho un manteau
de Shinéar, alors que Dieu avait dit non, il faut rien garder, il faut consacrer les choses à moi. Il va garder ce manteau et il va amener un problème sur le peuple d'Israël. Et il faudra que donc Dieu mette le doigt sur le problème et résolve le problème. La ville de Jéricho, ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'il y a dans nos vies des forteresses qui ont besoin de tomber? Des victoires que le Seigneur veut nous donner de remporter? La louange nous parle du fait qu'on a confiance en Dieu, qu'on s'appuie sur lui. Peut-être aussi que dans nos vies, parfois, on garde des choses que Dieu ne voudrait pas qu'on garde, qui viennent là faire un obstacle à notre marche avec lui. Et peut-être que ce matin, le Saint-Esprit, à travers ces moments, veut nous montrer et nous inviter à réfléchir à ces choses que peut-être nous avons gardées et que nous avons besoin de déposer au Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. Celui qui est appelé à être consacré, ce n'est pas seulement le pasteur, hein. Mais c'est chacun de nous. Et on peut tous réfléchir à notre consécration. On peut tous réfléchir à notre vie de prière. Est-ce qu'on prie? Je dis souvent, hein, une église qui ne prie pas, elle est déjà morte. C'est pas elle est en train de mourir, elle est déjà morte, c'est fini. On a des réunions de prière hein, le mardi matin. On peut réfléchir à notre consécration. Il y a différents moyens de réfléchir à notre consécration. Notre engagement, nos priorités. Des choses que peut-être on garde, qu'on devrait donner au Seigneur. Abandonner à Dieu. Et donc, Élie amène maintenant son successeur Élisée au Jourdain. En disant, ne m'ordonne d'aller au Jourdain. Qu'est-ce qui se passe au Jourdain? 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'il continue à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Première étape, Bethel, le lieu où on rencontre Dieu. Deuxième étape, Jéricho, le lieu où on rentre dans le terrain de Dieu, où les forteresses tombent, mais qui nous fait réfléchir à ces choses que peut-être dans nos vies on garde, qu'on ne devrait pas garder, à nos priorités, notre engagement. Et puis troisième lieu, c'est la traversée du Jourdain. Le Jourdain aussi, c'est un lieu symbolique. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est entré dans la terre promise, lorsqu'il est entré dans la vie que Dieu voulait, avec Josué, il a traversé le Jourdain pour rentrer dans cette terre promise. Et Élisée va, on va le voir ensemble, traverser deux fois le Jourdain. Il va le traverser une première fois avec Élie, puis il va la traverser dans l'autre sens. Et ça aussi, c'est symbolique et ça doit nous faire réfléchir. Alors, on a là 50 prophètes qui observent les choses de loin et qui vont passer à côté de ce qui se passe. Mais lui, Élisée, il regarde et il manifeste ici clairement de quoi il a envie. Il dit, moi, je voudrais recevoir une double onction de l'esprit. Ce que Élisée demande ici, c'est l'onction qu'on donne à l'aîné dans la famille. Double, qui manifeste qu'il est appelé à remplacer. C'est le passage de témoin. Il dit, moi, je voudrais maintenant, toi tu vas partir, mais je voudrais être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir continuer l'œuvre que tu as commencée. Et la Pentecôte, c'est aussi un passage de relais. Jésus qui monte au ciel et qui confie la suite de la mission d'apporter la bonne nouvelle de Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui veut sauver les hommes, à qui? À son Église, ceux qui lui appartiennent. Et pour cela,
Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Que va-t-il se passer? Élie va lui dire, tu demandes quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas te donner. C'est seul Dieu qui peut le donner. Mais pour que tu puisses le recevoir, eh bien, il faudra que tu me voies au moment où je pars. Les premiers disciples de Jésus ont reçu la mission d'attendre que Jésus monte au ciel, ils l'ont vu, puis ensuite d'attendre que le Seigneur leur donne le Saint-Esprit. Ça nous parle de ce que, eh bien, nous sommes aussi appelés à vivre. Qu'est-ce que nous dit la suite? À cette vue, donc je relis un peu la fin, pendant qu'ils continuent à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre Élie et Élisée, les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria: mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux, ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclamèrent: l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Élisée a faim et soif que Dieu le remplisse de son esprit pour pouvoir continuer la mission qu'avait commencée Élie. Au moment où Élie part dans le ciel, qui nous montre Jésus qui part, qui est une image de Jésus qui monte au ciel, dans un tourbillon, eh bien, il comprend que Dieu lui appelle à poursuivre la mission et il prend le manteau d'Élie, il prend la succession d'Élie pour pouvoir poursuivre la mission. Il déchire ses vêtements, il y a vraiment un avant et un après, et il va traverser le Jourdain dans l'autre sens. Et pour nous, il y a quelque chose vraiment important. Dieu nous appelle à le rencontrer, à vivre une expérience forte qui va bouleverser notre vie, Bethel. Un avant et un après. Il nous appelle dans notre vie à nous consacrer et à remporter les victoires. C'est l'histoire de Jéricho. Et puis ensuite, le Seigneur nous appelle, nous qui sommes sauvés, qui vivons l'expérience de cette nouvelle naissance, à retourner pour aller partager avec d'autres ce que le Seigneur a fait, pour que ceux qui nous entourent puissent eux aussi découvrir la bonne nouvelle de l'Évangile et puissent se tourner vers le Seigneur. Est-ce que nous avons envie d'être ces hommes et ces femmes qui, remplis du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit a été donné, vont être des instruments que Dieu pourra utiliser pour en sauver d'autres, qui, bénis et comblés en abondance, pourront en bénir d'autres, qui, bénis et comblés, pourront en bénir d'autres, qui, bénis et comblés, pourront en bénir d'autres. C'est le principe que ce texte nous montre. Et c'est le principe de ce qui s'est passé sur la Pentecôte. Les 50 prophètes qui ont observé les choses de loin n'ont pas tout compris, ils sont passés eux à côté, mais Élisée, lui, il a compris et il a vécu les choses. On a besoin de vivre Bethel, cette rencontre, ce changement dans nos vies. On a besoin de vivre Jéricho, cette victoire, cette consécration. Et on a besoin aussi de retraverser le Jourdain pour pas rester tout seul dans notre salut, pour aller au-devant de ceux qui sont perdus, pour partager avec eux notre espérance, ce que le Seigneur a fait, rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir, eh bien, poursuivre la route. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être ses témoins et pour poursuivre l'œuvre du Seigneur. La suite, c'est une anecdote, hein, les 50 prophètes, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils se sont dit, Élie, il est parti quelque part, il va revenir. Alors ils lui proposèrent, vois-tu, nous avons avec nous tes serviteurs 50 hommes robustes. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter, le jeter sur quelques montagnes ou quelques ravins? Il répondit, ben, ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il leur dit, ben, envoyez-les. Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée qui était resté à Jéricho et leur dit, je vous avais bien dit de ne pas y aller. Conclusion pour nous ce matin. On a cet homme-là qui se tient près de la source.
pour être rempli et pour déverser ensuite sur d'autres. C'est ce que nous voulons faire, vivre. Est-ce que nous avons compris que la Pentecôte, c'est une nouvelle ère pour ceux qui se repentent, pour ceux qui s'engagent et pour ceux qui croient? Dieu veut nous bénir pour que nous-mêmes nous soyons en bénédiction pour d'autres, qui eux-mêmes seront bénis pour être en bénédiction pour d'autres. Le projet de Dieu pour toi, hein, c'est ça, te bénir pour que tu bénisses en abondance des personnes qui bénissent en abondance en béniront d'autres. As-tu vécu là où les expériences de Bethel, ce moment de la rencontre personnelle avec Dieu? As-tu besoin de vivre l'expérience de Jéricho, ce temps où les murailles tombent, ces choses qui entravent l'œuvre de Dieu? Es-tu prêt, équipé, pour traverser le Jourdain et aller porter à d'autres la bonne nouvelle du Seigneur? Voilà le projet de Dieu à travers la Pentecôte, hein. Il n'a pas donné le Saint-Esprit juste pour nous, mais pour que nous soyons des disciples, des témoins, équipés entre ses mains pour accomplir son œuvre. On veut prier ensemble. Seigneur, on veut se réjouir ce matin de ce que Jésus n'est pas seulement monté au ciel, assis à la droite de Dieu, attestant qu'il a triomphé de la mort, mais Jésus au ciel a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre sur cette terre et pour nous permettre d'être aussi en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, tu veux que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette rencontre personnelle avec toi. Tu veux aussi, Seigneur, que dans nos vies, ben, ces choses, ces murailles qui sont là, elles puissent tomber par ta grâce, pour que nous puissions rentrer dans cette dimension de victoire. Tu veux aussi, Seigneur, nous donner aux uns et aux autres, remplis du Saint-Esprit, de retourner pour que d'autres puissent découvrir qui tu es et se tourner vers toi. Je te prie, Seigneur, de travailler nos cœurs et de nous interpeller ce matin. Amen.